Jeune homme, bonjour. Bonjour, mon grand. Non, ça ne me plaît pas vraiment. Mettez au pied et pensez à tous les vêtements que vous avez à la maison. Et vous verrez certainement que ça va aller avec l'un d'eux. En plus, je crois que ce n'est pas ma pointure. Pas la peine. Mon grand, vous n'avez pas laissé vos pieds à la maison. Grand frère, mettez au pied. Bon, ça me va. Mais j'ai un petit souci. Cette chaussure m'a attiré parce que j'avais une autre similaire qui me plaisait beaucoup. Et je pensais que la tienne était identique. Grand frère, c'est ça. Je n'en suis pas sûr. Grand frère, c'est exactement ça. Bon, on va faire un truc, tu vois. Oui. Tu vas tenir la chaussure comme ça. Je vais la prendre en photo pour comparer à partir du téléphone. D'accord? Sans souci, mon grand. D'accord. Tu as quoi d'autre à ma pointure? Ça ressemble à une autre que j'avais. Tu as presque mes goûts, hein? Presque? C'est plutôt vous qui connaissez la mode, mon gars. Ce sont des sorties récentes. On ne les trouve qu'en maison. Et comment tu réussis à les avoir? Tu es passé à la maison? Mais non. Avec Internet aujourd'hui, tout peut se faire sur place. Je passe la commande de temps en temps. Tout ceci est arrivé dans le nouveau stock. Waouh! Je vois que nous avons des goûts identiques, c'est-à-dire ce que j'aime, tu les aimes aussi et tu les ajoutes dans le nouveau stock. Mon grand, quand c'est bien, c'est bien. Généralement, quand c'est bien, on sélectionne. Oui. On l'aime quand c'est à nous. Clair. On l'achète quand c'est à vendre. Exactement. On l'apprécie quand ça appartient à quelqu'un d'autre. Voilà même. Mais le problème est que certains le prennent plutôt sans demander quand ça ne leur appartient pas. Hein? Je veux dire, certains préfèrent voler. La maison qui t'a fourni le nouveau stock est celle-ci. Pas la peine. J'ai ta photo et tu ne pourras pas aller très loin. Tu l'as si bien dit toi-même. Avec Internet aujourd'hui, tout peut se faire sur place. La police ne pourra pas te rater. Viens avec moi.
Tu avais très faim, n'est-ce pas? Monsieur. Imagine un monde où chacun vole quelque chose pour assouvir ses besoins. Tu avais très faim, tu viens de le démontrer. Mais le plat que tu as consommé, est-ce que tu l'as volé? Non, monsieur. Tu te sens en confiance et en sécurité après la consommation du plat? Oui, monsieur. Tu sais pourquoi tu as eu peur tout à l'heure? Parce que ton corps et ton cœur te reprochent de quelque chose. Et cette chose n'est pas le plat que tu viens de consommer, étant donné que tu es en confiance. Tu sais pourquoi tu as essayé de t'enfuir tout à l'heure? Parce que j'avais peur d'aller en prison. La peur d'aller en prison devrait se réaliser bien avant de commettre l'acte, pas après. Quand tu y penses avant, tu ne commets pas de délit qui puisse nuire à ta liberté. La liberté physique et morale sont les choses les plus essentielles qu'un individu puisse avoir. Quand tu n'y penses pas avant, tes pleurs, ton chagrin et toutes tes autres émotions attristantes n'ont plus aucun effet. C'est que c'est très dur de s'en sortir sans voler. C'est cette difficulté même qui est le carburant de la vie. Si tout est acquis au premier claquement de doigts, la vie n'a plus aucun sens. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Le sage punit pas parce qu'on a péché, mais pour qu'on ne pêche plus. » Il disait également ce n'est pas celui qui pleurniche le plus sur son propre sort qui a forcément le plus de problèmes. Sacré papy. Quand tu es dans le besoin, tu entreprends un travail qui progressivement t'ouvre une porte. Qui t'ouvrira une autre, qui t'ouvrira une autre. Qui à son tour t'ouvrira une autre encore. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai comme impression que c'est croulant. La vie est comme un train qui avance sur des rails. À chaque fois que tu as l'impression que les choses vont lentement, tu peux trouver un moyen d'aller plus rapidement en tant que conducteur de ton propre train. Les solutions peuvent être trouvées en toi ou autour de toi. Il suffit de localiser quel est le problème. Cependant, il est très important de l'avoir clair dans la tête. Si tu trouves des solutions liées à la facilité, ça veut dire que ton train est en train de déraper. Merci beaucoup. Je crois que je mérite la lentille. Même étant là-bas, je n'oublierai pas tous ces conseils reçus de vous. La police a longtemps attendu. On devrait y aller. Jeune homme, assieds-toi. Assieds-toi. La police, elle était peut-être de passage. Si elle est à l'extérieur, ce sera probablement pour un autre cas. Je n'ai pas appelé la police. Lève-toi.
Jeune homme. Tiens. 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 Vas-y, n'aie pas peur.